Voilà, je suis ravi de pouvoir, c'est un grand plaisir pour être là, de vous parler de cet artiste et en fait d'avoir sur les fenêtres même dans les Alpes, nous encourager à célébrer la vie de Lopez ce soir. Et c'est un artiste, il y a beaucoup plus en fait, c'est plus grand la vie de Lopez, comme c'est Cravas, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense, parce que nous connaissons beaucoup de choses sur Lopez. Parce que Lopé, d'abord, il gardait des agendas, il gardait fastidieusement. Tous les jours, il écrivait pendant un demi-siècle. Chaque jour, il notait où il était, qu'est-ce qu'il faisait, les voyages qu'il fait. On verra que c'était quelqu'un d'infatigable. Il voyageait énormément. Bon, et comme ça, nous avons des expositions, il exposait des tableaux beaucoup en Angleterre, à Paris. Et donc, on peut suivre Lopé pendant 70 ans de son vivant, et c'était également un honneur d'avoir des descendants directs de l'artiste ici avec nous ce soir. Je suis ravi qu'il soit là. Et bon, on va suivre trois thèmes parce que c'est un bon sujet. On va d'abord parler d'un peintre qui était traditionnel, un peintre paysagiste et un peintre qui était spécialiste de peindre la neige. Deuxièmement, on regardera un peintre qui était un chroniqueur, quelqu'un qui suivait son temps, vraiment en âme de son temps, quelqu'un qui regardait vraiment en avenir toujours. Et troisièmement, bien évidemment, un amoureux de montagne, un alpiniste qui se nommait à cette époque-là un peintre alpiniste. Et pour faire ça, pour commencer, je vous demande de remonter un peu le temps avec moi. Alors, imaginons-nous à Chamonix, un jour hivernal, c'est le 11 février 1996. Gabriel Lopé est dans son atelier, il prend son chapeau à feutre avec large bord, il sort de son chalet, muni de sa boîte à peinture avec son chevalet, il fait une promenade le long du large, la rivière qui longe la vallée de Chamonix. À un certain point, il arrive, il stoppe, je me retourne, et voilà, on a le Mont Blanc. Ici, par une lumière aveuglante, il arrive à conjurer une journée. On peut même entendre le crissement de neige au-dessus de ses chaussures, on est aveuglé par la lumière. Et rencontrant ce que les Anglais le nommaient les Cézanies, les années surtout du club alpin, le surnommé, un peu le nickname de Lopé, était le peintre de la cour de Sa Majesté Mont Blanc. Et nous le rencontrons ici dans la neige. Il avait 71 ans quand il a peint ce tableau. Et puis il est reparti dans son agenda de cet après-midi. Il a écrit « Il faisait moins 13 degrés ». Parlons de quelqu'un avec une résistance sérieuse. Il fallait beaucoup de résistance pour peindre en extérieur. Mais ce tableau n'était pas d'exception. C'était rien d'exceptionnel en fait. Parce que remontant 40 ans, ou peut-être aussi il y a 37 ans, Lopé a peint ce paysage de neige dans les environs d'Annecy. Ça, c'est le lac d'Annecy. Et ça nous démontre, ce tableau, que Lopé était toujours fasciné par la neige. Et ce sujet, la neige, à l'époque, dans les années 50, c'est clair que Lopé était un innovateur de ce genre de paysage. Nous sommes avant de Corbet. On est en avance des tableaux de neigeuses de Corbet, beaucoup plus avant que des tableaux par des impressionnistes qui étaient souvent surnommés effets de neige. Alors c'est fascinant parce que ça montre que la neige était toujours un sujet de prédilection de Lopé. Les effets de lumière, la magie de la lumière, toute l'atmosphère, et surtout que c'est clair qu'il adorait l'hiver, il adorait être dans la neige, passer des longs voyages même après dans le Haut-Belin bernois. Ça ne nous étonne pas que son atelier a été construit à Chamonix, fini en 1862. Et la première visite que l'artiste s'est rendu pour la première fois à Chamonix en 1848. Et là, il est au pied des montagnes qu'on peut dire c'était son arrière-corps. Voilà. Et l'atelier de nos jours est toujours là. Ce n'est plus d'atelier, mais c'était très intéressant. Si vous pouvez voir, ça marche.
des fentes dans ce bâtiment étaient faites exprès pour faire sortir des grands tableaux, de très grands formats. C'était quelqu'un qui adorait le bricolage, tripoter avec les choses. Il a construit son chalet exprès pour que les tableaux puissent sortir. Bon. Et le bâtiment, on a la fortune que le bâtiment reste intact. Mais c'était très intéressant que cet atelier était vraiment le berceau, le lieu de naissance de ces grands géants qui sont là. On doit les imaginer là, dans l'atelier à l'époque. Mais ce n'était pas vraiment le seul atelier. Ça, c'est le deuxième, disons, atelier de l'artiste. C'est le refuge des Grands Mulets, à 3000 mètres. C'est à 5 heures de marche de Chamonix. Il n'y avait qu'un chemin pour l'atteindre. Aujourd'hui, on peut aller par le plan de Midi. Mais à l'époque, il fallait traverser ce grand glacier qui était aussi crevassé que ce glacier-là. Bon, ça c'est un atelier pour le peintre parce que, disons, pendant une demi-siècle, Lope se rendait au Grand Mulets sans cesse, pendant des longues semaines, même pendant 2-3 semaines, il restait là. Il prenait ses choses, il avait des porteurs pour revenir avec des provisions, pour redescendre avec les tableaux. Il peignait tout le temps. Il est allé avec les familles, les enfants, ses compagnons de cordée. On voit même un personnage, c'est Paul Lechel. Donc, il y a cet atelier-là, mais vraiment pour moi, et je pense que vous serez tous d'accord, le vrai atelier de Lope, c'était l'autre montagne. Et voilà, c'est... Ça arrive. C'est le grand vide. Et ce tableau était, il faut imaginer, c'est peint dans les 1859. Mais la première version, c'est de 1862. Pour la plupart des gens, 99% des gens, c'était le monde inconnu. Ici, c'est le lever du soleil vu du Mont Blanc. Les personnes sont bien évidemment pour donner de l'échelle. On est en train de regarder les grands Jaurès. Le jardin de Talef, le Cervin, le Mont Rose, le Weisshorn, le Grand Combin. Et ce qui était frappant pour les gens qui connaissent l'endroit, c'est la topographie. C'est extraordinaire. L'exactitude dans laquelle il a pu saisir ça, d'après des esquisses, bien sûr. Mais ce tableau, pour moi, représente le vrai atelier d'un artiste qui explique, c'est une vue du lever de soleil sur le Mont Blanc, vu du Grand Combin. Alors on a vu ici le Grand Combin, et là il fait demi-tour, il regarde le Mont Blanc. Encore une fois, c'est le mémoire de faire la montagne avec ses compagnons qui sont inclus, mais vraiment c'est ce qui me fascine sur ce peintre, il continue à me fasciner et m'a fasciné depuis plus de 20 ans, que Lope était vraiment un peintre très traditionnel, un peintre, disons, dans l'ancien style. Quelqu'un qui est né pendant le moment où peindre à l'extérieur était toujours quelque chose d'assez neuf. C'est un peintre traditionnel, paysagiste de neige, qui par contre choisit un sujet qui est tellement atypique, tellement moderne, disons, peut-être pas, c'est pas le bon mot moderne, mais disons, il choisit un sujet qui est impossible à le classer. Et c'est pour ça que cet artiste, pour moi, reste très difficile à mettre dans son place. Et pour faire une esquisse très vite de biographie, voilà Lope en train de peindre au refuge des Grands Mulets. Né à Montpellier en 1825, il est venu à Paris pour faire ses études dans une école. Il n'était pas content du tout, il était renfermé pendant son école, pendant 5 ans. Et c'était un garçon, il faut dire, un peu avenant, un garçon pas remarquable. Et puis, le moment où il est rentré avec ses parents pour habiter en Embrun, c'est là qu'il a commencé à peindre. Il a commencé à faire des sorties pour faire des visites avec un ami de la région. Il a commencé à avoir un amour pour la peinture. Son père était militaire, était contre l'idée que l'artiste, son fils devienne artiste peintre, mais après un peu de conviction, Lope est entré dans l'atelier de François Didet à Genève, qui était le grand paysagiste classique, surtout de la vue de montagne. Et pendant l'été, Lope a visité, cet été, en 1846, il était dans le Haut-Velin bernois à Meiringen pour faire une école de peinture d'été. Et un Anglais, qui s'appelait Beresford Walker, lui a proposé de l'accompagner dans la montagne.
Lopé n'a jamais mis le pied sur la montagne. Et cette première marche sur un glacier, c'est le glacier Untara, au-dessus du Grindelwald. Ça, c'est entre la Eiger et le Wetterhorn. C'est un grand glacier qui fait le tour vers Grimsel. Ils ont fait un traversé de 3 jours. Il fallait dormir sur la montagne. Et je ne sais pas exagérant de dire qu'il est tombé amoureux de la montagne comme ça. Et pendant toute sa vie, il se souvenait de ses mêmes les premiers moments dans la montagne. Il était absolument, c'était un coup de cœur pour Lopé. Ça lui a permis de commencer à voyager dans les Alpes, qui était quelque chose de très rare à l'époque. Ici, le Cervin, qui est peut-être la montagne la plus connue du monde en ce moment. À l'époque, c'était impossible de se rendre à Zermatt, très difficile pour se déplacer. Et Lopé était là dans les fin des années 50, il est tombé aussi amoureux de Zermatt, bien avant le désastre pour la première ascension du Cervin. Là, c'est à Riffelberg, et c'est un endroit que Lopé, jusqu'à vraiment la vieillesse, il retournait tous les étés, surtout en hiver, il faisait des grandes séjours à Zermatt. En plus, ici c'est Grindelwald. Là c'est le Wetterhorn au-dessus du village de Grindelwald. C'est un Lopé qui est parmi les plus beaux tableaux de l'artiste parce que c'est un coucher de soleil. Encore une fois, on sait que Lopé s'est déplacé l'après-midi pour commencer à peindre ce tableau. Moins 15 dans l'agenda. Un peu plus froid que Chamonix, mais bon, ça ne lui touche pas. Mais le goût pour voyage est devenu parce que la montagne a commencé à croître dans Lopé. Le tableau de montagne, le tableau de neige, les paysages, la poussée a commencé à voyager. Il est allé pendant son vie en Écosse 14 fois, en Italie, en Côte d'Azur, beaucoup de tours du Midi, en France en plus, mais en Angleterre, sa seconde femme s'est remariée en 1879 parce qu'il était veuf. La même année que ces deux tableaux, malheureusement, il a perdu sa première femme, Marguerite Bachet. Bon, deuxième mariage avec un Anglais qui lui a permis encore plus de devenir un amateur de l'Angleterre. Mais les grands voyages, finalement, lui a dirigé encore une fois vers Paris. Je dis encore une fois parce que quand il était étudiant, disons, il était dans l'atelier d'idée, il s'est déplacé à Paris pour participer dans la destruction du palais des Tuileries pendant les révolutions de 48. Lopé avait à un moment une fièvre de républicaine. Lui-même, il a pris un fauteuil de la famille royale, il l'a jeté par la fenêtre du palais des Tuileries, et pendant toute sa vie, il a gardé un morceau de velours rouge, qui était son souvenir d'avoir fait ça. Il n'a jamais perdu l'objet. Mais une génération après, il est rentré à Paris pour commencer à exposer ses tableaux. Il faut dire que Lopé, bon, avait, on voit le pont, c'est un très bon symbole pour présenter cette thèse. Lopé était bien sûr quelqu'un qui aimait vivre à la dure, mais nous savons aussi que Lopé aimait vivre à la grande vie. Il adorait, disons, le grand tourbillon de la vie. Et surtout, il était très attiré vers ce mégapole, la plus grande ville du monde dans les années 1860-70, c'était Londres. Il était attiré par le fameux brouillard, le fait que Londres était déjà la terre d'asile pour beaucoup de peintres français, surtout allemands aussi. Il y avait Daubigny, Monet, bien évidemment, il y avait Bonvin et Le Gros, de grands noms de peinture qui se regroupaient à Londres. Mais Lopé était fasciné par, comme je disais, il adorait, il était un vrai monomaniaque pour les trains. On dit en anglais un train spotter, je ne sais pas comment traduire, mais il était obsédé par les trains, par les ponts, architecteur qui explique cette photo qui ne mérite pas, parce que ça va monopoliser, ça a trop monopolisé la vie de Lopé. Et cette photo qu'il a prise en 1902 lui a fait, en fait, on peut le voir, je pense, par la fenêtre, on n'a pas besoin de photo,
Mais la photo de la Tour Eiffel était la culmination, une fascination avec le bâtiment, l'architecture. Il adorait le théâtre, il adorait tout ce qui était moderne. Et c'est pour moi une représentation, une synthèse de la modernité qui est proposée par Baudelaire dans l'homme de la vie modernité, disons. Bon, après avoir expliqué ça, il faut mettre en contexte quand même que les mêmes années que ces deux tableaux magnifiques de 1974, nous avons d'autres amateurs de neige qui commencent avec leurs effets de neige. Ce célèbre tableau de Monet et ce Sisley d'Argenteuil, 1874. Ça montre que déjà, et n'ayez pas peur, je ne suis pas venu pour vous faire des cours d'histoire de l'art français, surtout de la part d'un Anglais ce soir. Alors continuons. Mais il faut imaginer déjà un homme de moyen âge qui vivait déjà de ces tableaux pendant que c'était les premières années des impressionnistes. Et c'est ça qui est vraiment pour moi si fascinant, parce que c'est vraiment comme un peintre, un maître ancien qui fait des sujets comme ça, en même temps qu'on a ces tableaux qui, 20, 30 ans, 40 ans plus tard, ont bouleversé le monde de l'histoire de l'art. Bon. Repassant au pont, cette photo de Mopé, pour moi, résume tellement ce qu'il aimait dans les villes, le mouvement, tout ce qu'on a parlé de c'est quelqu'un très mondain, très urbain. Mais retraversons le pont maintenant pour rentrer dans les Alpes. Pour moi, qu'est-ce que ça représente, cette photo, ce tableau, c'est comme une... Ça représente tellement de qualités de cet artiste, parce que c'était une curiosité qui l'a poussé de se lever à 2 heures du matin pour aller peindre le comète Donati, qui était la chose la plus brillante jamais vue par l'œil humain depuis plusieurs centaines d'années. En 1858, en septembre, c'était très très brillant le comète Donati. Mais étant quelqu'un très fastidieux pour les timings, pour son horaire, il a écrit 2 heures du matin, comète de Donati. Et c'est déjà une annonce de ce qui allait venir de Saint-Marc dans les montagnes. Ici à Zermatt, c'est un lac glaciaire qui est normalement, on peut le voir plutôt dans l'été vers là, mais des lacs comme ça ouvrent pendant que la glace s'effondre. Ici, il a trouvé un glacier assez grand, mais de faire ça, ça c'est son métier. Et là, on est vraiment avec cet artiste qui voit les grosses volutes de nuages, les couleurs. On est plein lopé ici. Il s'est installé avec ses amis, peut-être toujours en compagnie en plus, pour peindre, passer la journée peindre ce glacier, des grands glaçons, des grands... morceaux de glace qui sont en train de bouger, et c'est vraiment un tableau qui peut être de la main de Billard qui allait à Spitzbergen ou de la main d'un artiste très moderne. Alors, en montagne, Lopé était... bon, il faut mettre un peu de contexte en plus. Quand Lopé faisait la montagne, il faut se souvenir qu'il était... c'était un monde dépouillé de gens. Il n'y avait pas de gens. Très très peu de monde, ils étaient souvent seuls pendant 2, 3, 5, 6 jours. Ils sont partis dans la solitude. Ce tableau qui fait 30 par 40 cm, un format très fréquenté parce que c'était très portable pour l'artiste. Ce tableau nous explique beaucoup. Il met sa cordée ici et Lopé, puisque en 1864, quelques ans avant ce tableau, il est devenu membre du club alpin à Londres. C'est un grand honneur, le premier peintre étranger, le premier étranger d'avoir l'honorary membership du club alpin, qui est l'association le plus vieille sportive qui existe. C'est fondé en 1857. Pour Lopé, c'était un grand honneur, parce qu'il s'est lié à des amitiés avec des compagnons de cordée à Chamonix, qu'il a invité à joindre, se faire membre. En revanche, Lopé a envoyé des tableaux à l'Alpine Club pendant 50 ans. Il participait à l'exposition chaque année, il envoyait ses toiles, et c'est le club alpin qui l'a rendu en fait célèbre
est plus célèbre, en fait, qui s'est rendu, parce qu'il commence à exposer des tableaux à Paris, que dans les années 80. Ici, on voit Lopé en train de faire la montagne avec ses amis. Un ami, par exemple, était James Eccles, dont il va s'épouser avec la sœur. Il a fait la montagne à Zermatt avec Achille Ratti, qui est un abbé, qui est devenu le pape. Alors, c'est curieux d'imaginer un jour quelqu'un qui n'était pas croyant du tout disait « Mon ancien copain de montagne est maintenant le pape. » Le pape Pie XI. Mais son ami, peut-être le plus lié avec Lopé, qui a fait beaucoup de premiers avec lui en plus, était Leslie Stephen, qui a écrit ce livre, Le terrain de jeu de l'Europe. Ça, je le décris souvent comme le Nouveau Testament de l'alpinisme dans le 19e. Plus célèbre de nos jours d'être le père de Virginia Woolf, et dont sa sœur également, Vanessa Bell, était un artiste peintre. Mais Leslie Stephen était l'épitome des alpinistes, un grand intellectuel, très grand écrivain, un biographeur, mais qui était un alpiniste très chevronné. Et Leslie Stephen a fait l'école des Hirondelles. À côté de l'école des Hirondelles, en fait, c'est ici, c'est ça. Et ils ont fait la première ascension avec Lopé un été avant ce tableau, été de 1873. Et le style de faire l'alpinisme entre Leslie Stephen et Lopé était tellement amusant, ils étaient très différents, très liés comme amis. Et moi, je vais demander à la descendant direct de l'artiste, qui s'appelle Gabriel, et le plus près qu'on viendra à Lopé, de lire un extrait de Gabriel Lopé en train de faire la montagne. Parce que c'est beaucoup plus propice de venir de toi. Gabriel va venir. Toutefois, durant un certain temps, l'ascension fut très facile. Enfonçant nos pieds dans une neige molle mais tenace, nous atteignîmes la cheminée qui se trouvait en bonne condition. La couche de neige qui en formait le fond nous permettait de grimper de prise en prise, sans grande peine, sur une hauteur considérable. Mais, par degrés, Fischer, qui était en tête, s'énerva. Il a une vive inimitié, et j'avoue que je la partage, pour les pierres les plus grosses et plus dures qu'une tête humaine, qui obéissent aveuglément à la loi de la gravitation. Lopé, qui proclame toujours avec emphase son extrême prudence, c'est sa vertu favorite et la seule dont il se vante, est sceptique au sujet des pierres. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a confiance en la dureté de son crâne ou dans le fait qu'il est de ceux qu'elle manque. Toujours est-il qu'il nous affirma énergétiquement qu'il n'y aurait pas de chute de pierre ou que, s'il y en avait, elle nous éviterait. Soit ces arguments, j'appelle cela argument parce que je n'ai pas de meilleurs mots à ma disposition, Fischer insista pour que nous quittions la cheminée et que nous grimpions le long de l'arête qui nous séparait du grand couloir. De là résulta une division de notre groupe et une certaine dose d'émulation qui ne diminua toutefois pas notre cordialité. Tandis que Lopé et de Boissou, en tant que fidèle représentant de Chamonix, en tant que représentant de Chamonix, restèrent dignement fidèles à la cheminée, nous opérions une conversion vers l'arête. Merci. Tellement charmant. Imaginez l'école des Hirondelles, parce que quand ils sont arrivés à 3750 mètres, je pense, à la brèche là, ils ont trouvé dans la neige 14 Hirondelles dans un demi-cercle morts. Apparemment, ils étaient en train d'essayer de traverser ce muret, ils ont crevé par le froid. Et c'est un moment très intéressant parce que l'année prochaine, Lopé entre dans ces années, les moments très importants de sa vie comme peintre. Ici, on est sur la mer de glace. On voit ici le coin qui mène ici vers le crétin des Grands Chamonix. C'est le même endroit ici. Mais on est beaucoup plus avancé. On voit le torrent, on voit les dents de géant. Mais qu'est-ce que c'était de peindre ça? C'était comme le 18e, on avait le grand tour, les artistes qui faisaient l'Italie, Rome, tout ça. Pour moi, c'était le grand tour au 19e. Alors, Lopé était un grand touriste avec ses amis. Et cette étude, pour encore faire sur le motif un peu plus grand, ça lui démontre aussi cette fascination à commencer avec les glaciers. Et techniquement, il faut développer l'idée que Lopé était un innovateur incroyable de pouvoir mélanger les couleurs. Surtout, on a la chance, jamais une chance imprévue d'être devant un de ses chefs-d'œuvre qui montre, comme il a fait, ces vagues déferlantes de glace. Mais on sait, parce que nous avons aussi un historiatrice avec nous ce soir, capable de nous expliquer beaucoup mieux que moi.
Et les couleurs représentent une espèce d'alchimie. C'est vraiment impossible de savoir quelles étaient vraiment les couleurs, parce que personne d'autre, de ma connaissance, n'a jamais saisi ces couleurs. Bien sûr, j'ai passé pas mal de temps regardant dans ces crevasses payantes, c'est pas toujours agréable, mais ils sont très profonds. Et les couleurs changent. On a ces couleurs qui deviennent, ça commence ici avec des violâtres, des bleuâtres, des verts, et on finit par des couleurs profondément bleues et noires. Et c'est grâce à avoir fait des centaines d'études sur le motif qu'on voit ici que on peut faire ça. C'est que parce qu'on a pu passer des années, des hivers, des étés devant la glace. Ici, c'est la jonction, une table fantastique, parce que c'est le seul chemin pour accéder au sommet de Mont Blanc. Le Mont Blanc, il est au-delà de ça. Le Grand Moulet, le deuxième atelier de l'Opé Lisant, est là, au-delà de cette arête-là. Alors, pour y accéder, il faut traverser les glaciers de l'Ossan, qui n'est accessible, c'est pour ça que ça s'appelle la jonction, parce qu'il y a deux glaciers, le Tokenas et les Bossons, qui se joignent là. De nos jours, c'est une course très très difficile, parce que c'est hyper crevassé, et la réduction des crevasses, la réduction des glaciers le rend très dangereux. Mais c'était à l'époque le seul chemin, la seule façon de monter Mont Blanc. Ici, on n'est pas trop loin en fait de ce tableau pour lequel je voulais l'inclure. Tranchant comme un rasoir, les crevasses sont même, ils le poussent même vers l'abstrait. Ici, on voit juste, c'est très difficile à voir, mais deux alpinistes qui sont en train de regarder devant. Et là, on a le coin du grand chemin. On a l'idée de l'échelle de ces glaciers. Très important parce que l'échelle était très importante pour le pays. Un grand tableau de 4 mètres qui se trouve au Hôtel Majestique de Chamonix. L'étude pour le tableau de 40-30 cm format lui a permis de faire le grand qu'il voulait envoyer à Londres en 1877, 3 ans après ces tableaux. Quelle est la motivation pour les envoyer en étranger ou à Paris? C'était à mon avis, et sûrement on sait maintenant, c'est que l'OPE se voyait un peu le porte-parole des Alpes, la publiciste, l'affichiste des Alpes. Il faisait de la publicité avec ses grands tableaux pour les Alpes. Et donc, ces tableaux, les monstres, étaient un défi extraordinaire pour l'artiste de réaliser. Et d'imaginer l'avoir, le renvoyer, l'envoyer à Londres, c'est très intéressant. Parce que, à Londres, l'Érection était un très bon journal qui existe toujours, qui s'appelle Le Standard. On fait revue des expositions, ces deux tableaux, c'était un écrivain assez connu à l'époque, qui a écrit que les ingénieurs du tunnel du Mont-Cenis ont apporté l'Italie à Paris, mais que M. Lopé a fait plus. Il a apporté la Suisse à Regent Street, et les noms magiques de Chamonix, Servin, Jungfrau et Mer de Glace à Conduit Street. Et Conduit Street, c'est les galeries où ces deux tableaux ont déjà... La dernière fois qu'ils ont vu le jour, ils ont été perdus depuis. Bon, continuons parce que ces grands tableaux donc, nous démontrent que l'OP est devenu, parce qu'il vivait tellement bien de ces tableaux vers les années, début des années 80, il pouvait se permettre de faire des monstres, comme je disais, des béhémoths en bien anglais. Mais de toute façon, il continuait toujours à explorer ce qui était sa fascination avec le météo. Et tous les agendas sont bourrés des observations météorologiques. Ici, c'est grand, encore des volutes, rosâtres, c'est le coucher de soleil vu du Grand Moulet. Mais c'est que quelqu'un qui a dû s'asseoir pour le faire chroniquer comme ça. Il faisait ça pendant des centaines de fois. Toujours l'aube ou le coucher de soleil. Ici, c'est un moment où l'art a failli le tuer. La cabane des géants a été construite par le deuxième cabane des géants, qui est le côté corner de Mont Blanc, a été construite par le club italien alpin. Et Lopé voulait, bien évidemment, parce qu'il était assez compétitif, concurrent, il voulait être une des premières personnes pour visiter la cabane. Il a emmené avec lui sa fille, qui était toujours teenager, je
ne pense pas qu'elle avait beaucoup de choix, elle l'a accompagnée. Ils sont partis de Chamonix pendant ce chemin, pendant 3 jours pour arriver à la Col du Géant. Ils ont passé la nuit dans la nouvelle cabane. Lopé était, j'imagine, très content parce que c'était le moment de passer la nuit dans cette cabane. Une tempête a arrivé qui a détruit la cabane. Et dans son agenda, il parle du fait qu'il voulait bloquer pendant la nuit contre le vent la cabane. Et sa fille croyait qu'ils allaient mourir. Le guide est descendu prendre des provisions à Cormaya. Quand il est redescendu dans la vallée, quand il est remonté le lendemain, il était convaincu qu'ils seront morts. Pas de question. Lopé se lève le matin. C'est le 31 août 1877. Il fait l'esquisse de la fin de la tempête. Et on sent ici le tournoyer, le vent. On sent que c'est vraiment un moment de grand mouvement, de grande perturbation dans la météorologie. Il le saisit comme personne d'autre. Et voilà, si on regarde la cabane des géants, si on regarde dans la direction vers l'est, c'est le lever de soleil sur le Mont Blanc. Ça, c'est le célèbre arête culturelle. Et ça, c'est un classique local en plus, la brume, les nuages qui se lèvent dans le matin du Valais. Qu'un alpiniste aurait pu imaginer, que quelqu'un a vécu ça pendant longtemps. Et passons, pour finir vraiment, le point le plus important de la vie de Lopé, c'est le Mont Blanc. On voit avec, c'était pas question de la fierté non plus, c'était question d'être précis. On voit sur le Mont Blanc, le 5 septembre 1868. Et ce tableau représente, on lui attribue une quarantaine d'ascensions de Mont Blanc pendant son vivant. Alors, à part des quelques guides très hardis, on ne connaît pas d'autres personnes qui a fait autant de sommets que ça. Mais de peindre sur le sommet en plus, on sait qu'il a peint à plusieurs reprises sur le sommet. Qui nous mène à un tableau qui est la même vue, qui est le coucher de soleil, vue du Mont Blanc. Et le coucher de soleil était quelque chose avec lequel il a fait le Leslie Stephen, encore une fois, son grand ami de montagne, et James Eccles, son futur beau-frère. Il allait se marier avec sa sœur il y a quelques ans après ce tableau. De la vallée, ils ont toujours voulu faire l'ascension pendant la nuit. Ils n'étaient pas du tout convaincus qu'ils allaient le réussir. En fait, Lopé a pu faire pendant 2 heures, 3 esquisses du sommet. Un esquisse est toujours dans la collection à Chamonix, des amis de Vieux Chamonix. Le deuxième est dans le club alpin qui regarde vers l'autre direction, vers les Alpes des Aravis. Et le troisième, c'est ce tableau-là qui plus récemment a été découvert. On voit l'ombre de la montagne en train de se présenter pendant que le soleil est déjà quitté pour la nuit. Ils sont dans la nuit ici et c'était un moment vraiment phare de la vie, une culmination de tout ce travail. Parce qu'on voit déjà la lune, on voit la même vue mais fait sur le sommet à 7h30 le soir, le 6 août 1873. Avant ça, la question de descendre était très difficile. J'allais aux eaux, vraiment jusqu'aux eaux, les compagnons se plaignaient pendant 2 heures, on va mourir de froid. Lopé est resté assis dans la neige, mais finalement, vers la fin, ils ont failli mourir parce que la cime de Mont Blanc s'est gelée comme un grand glaçon. Ils n'avaient pas les crampons, l'équipement que nous avons de nos jours. Mais par contre, ils sont arrivés à descendre jusqu'au Grand Mulet et le récit de cette expédition est une des choses les plus beaux qui existent. Et je demanderai encore une fois, juste pour Gabriel, qu'il lise la lettre que Lopé a reçue de Leslie Stephen 20 ans après l'événement. Parce que Leslie Stephen a fait une réédition de ce livre tellement il était voulu, tellement chercher ce livre. 20 ans après, il a fait une édition. Il a écrit une lettre à Lopé qui est au moins très émouvant. Mon cher Lopé, il y a 21 ans, nous gravissions ensemble le Mont Blanc pour contempler un coucher de soleil depuis son sommet. L'année dernière, nous avons observé le même phénomène depuis le pied de la montagne. Les années écoulées ont probablement peu changé le coucher de soleil. Si elles ont fortement diminué les forces qui nous permettaient d'atteindre le meilleur point de vue, elles ont laissé intacte l'admiration que nous portons à de pareils spectacles et le plaisir que nous éprouvons à nous trouver en compagnie l'un de l'autre.
Si j'ai conservé mon amour pour les Alpes, c'est beaucoup grâce à vous. De nombreuses courses faites avec vous, et dont quelques-unes sont relatées dans ce volume, ont confirmé notre amitié et notre commune adoration des montagnes. Je tiens donc à attacher votre nom à cette nouvelle édition de mon ancienne tentative pour exposer le charme des expéditions dans les Alpes. Personne ne comprend ce charme mieux que vous, et personne, j'en suis sûr, ne sera un critique plus indulgent de l'œuvre d'un vieil ami. Toujours à vous, Leslie Stephen. Et bon, pour finir, c'est le retour du sommet de Mont-Blanc vers cette célèbre cabane des Grands Mulets, descendre le glacier, aller dans la vallée le lendemain. Mais c'est un endroit, en plus, pour finir, que Lopé a toujours emmené ses enfants. Alors, à l'âge de 9 ans, chaque enfant, plus petit enfant, avait le droit d'aller avec grand-père jusqu'au Grand Mulet. Tout en descendant, chaque enfant recevait un piolet avec le nom estampillé dans le bois. Aline, la fille, avec laquelle il a fait la cabane du géant, cette grande tempête, Aline a fait le Mont Blanc âgée de 16 ans. À l'époque, c'est assez costaud de faire ça. Ça, c'est le vieux, c'est la fin. Et pour moi, il y a aussi l'autre côté de tous ces tableaux, parce que Lopé, il faut aussi le considérer comme créateur de mémoire. Parce que pour moi, les mémoires sont un peu la pierre fondatrice ou la première pierre de notre imagination. Les mémoires dans les Alpes sont très fortes. Pour moi, Lopé savait à certains points que ça ne pouvait pas durer pendant longtemps. Et à un certain point, ça a la capacité de faire la montagne, elle est diminuée. Tout le monde doit vivre ça. Il y a une espèce de lettre d'amour, ce tableau. Je trouve ça. On voit les cordées juste avant de rentrer dans la cabane. Ils sont descendus d'un sommet, un succès sur le sommet. Et pour expliquer un peu mon lien avec ça, j'étais dans la galerie il y a 3 semaines et des visiteurs américains sont venus me voir. Et la femme se dirigea directement vers un tableau de Lopé que j'ai dans la galerie. Elle était vraiment curieuse, elle disait « Ah, c'est magnifique ça, William, tell me all about it !» Je dis « Ok. » Et puis son mari était à l'entrée de la galerie, il disait « What's that, Sherry ?» Et puis elle a dit « Ah, c'est this is Gabrielle Lopez ?» Et lui m'a dit « Ah, ça c'est William's man crush !» Bon, man crush c'est faible d'homme pour homme ou béguin de William, et je dis « Bon, c'est pas vraiment ça, mais Robert, c'est gentil de me le dire. » Je vous laisse finir avec cette image parce que ça c'est bon, pris dans le côté Courmayeur, Mont Blanc de Courmayeur, 6h20 le matin de septembre. Et j'étais conscient d'être un moment d'intrusion dans le terrain de jeu de Lopé. Et à ce moment-là, c'est très important parce que dans l'agenda des galeries, mon rythme de vie à la maison, tout ça, ça c'est des recherches absolument importantes. Alors, on bloque chaque année l'alpinisme, ça c'est l'excuse quand même. Mais bon, faire l'alpinisme, c'est quand on est là, on a ces ressentiments, le 150 ans qui sépare la vie de Lopé et ses compagnons et nous, sont très courts. Ça compte pour très très peu. Et bon, autant de marchands d'art, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous faire connaître l'art. Et j'espère que ce soir on a pu. J'ai pu faire connaître un peu plus sur cet artiste qui est bien évidemment quelqu'un qui a une vie magnifique, une vie très différente dans plusieurs aspects, mais d'être dans la montagne, c'est beaucoup plus, on se sent très vif dans le moment, et voilà, c'est un Lopé avec lequel on va finir.